Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et une petite précision là concernant deux Américains d'origine haïtienne qui ta dans Kouato, qui ta fait partie dans le commando armé qui tue le président Jovenel Moïse dans la chambre de la Kali. Et gagné et juge de paix suppléant Pétionville, là, Clément Joseph, qui interrogeait de M. Sago. En tout cas, ça que le journal Le Nouvelliste rapporté. Et mais ça, il parlait avec et juge de paix, mais ça, juge de paix a dit que Pantium Sola, Joseph et Vincent de M. Sayo, et en garde à vue, ils ont expliqué que yo, c'était des traducteurs. Et mission que ont été gagnée, c'est pour arrêter président Jovenel Moïse dans le cadre de l'exécution de mandat de juge d'instruction. Mission 1, c'est pas pour tuer. Mais là, pas de précision. C'est-à-dire pour qui ça, que je viens tuer, et ça qui est passé, etc. Dans le cadre de mandat juge d'instruction. Oui, de juge d'instruction. Ça, regardez, content. Mais ma pli là, c'est où article que. Nouvelliste écrit, assassinat de Jovenel Moïse, la traque des mercenaires permet de constituer des éléments du puzzle. Écrit par notre ami Robertson Lafosse. Et moi, mais ça qui dit que Robertson a rapporté une entrevue et que il gagnait avec magistrat qui, sous question 1, c'est Clément Noël. Là, on a parlé de juge de paix, suppléant de Pétionville. Et Lydie, ça m'a préparé. La mission était d'arrêter le président Jovenel Moïse dans le cadre de l'exécution de mandat de juge d'instruction et non de le tuer. Et ça, mais qu'on y a là, qui commanditait mission ça? Solage, James Solage, répond. Moi, j'ai un job ça sur Internet. Ah bon? Et ça, je dis. Juge Clément Noël. M'a cité le journal Le Nouvelliste. James Solal dit que il était en Haïti depuis un mois. Depuis un mois, la vive Pétionville. Vincent Joseph dit lui-même qu'il était en Haïti depuis 6 mois. Depuis 6 mois, il était resté frère. Votre frère. Et mercenario. Yo en Haïti depuis environ 3 mois. Donc, ça, c'est ça, juge de paix Clément Noël dit journal et Nouvelliste, et ça lui rapporté ça, James Solage, un individu qui t'a fait partie comme un deux, qui entrait la caille président, Jovenel Moïse dans Chamné et l'a tué. Et puis, concernant bon qui mourit, combien on mourit, et combien qui mourit, et véritablement, et bon, la police, nous, elle a patiné et sous question 1, mais sa magistrat lui dit que hier, eh bien, gagné, non, au fait, c'est juge, de toute façon, l'ordre juge Fidelito et Dieudonné, il dit que les constatés dans Rue Seigneur Vincent et Pétionville, cadavre présumé et mercenaire, monsieur était blessé, il est entré dans le cas et puis il est monté sous tout le cas là et puis et, ben, monsieur il est baissé. Et puis il est mort, le juge a venu, il a joint le cadavre là et raide. Et il dit que gagné 4 Colombiens. Et qui vient en Haïti le 6 juin 2021, il a parlé de mercenaires, il a passé par la République dominicaine, il dit que, bon, il y a même botte.
Donc, nous tout profiter, ça dit, des deux magistrats qui parlaient là, mais information, j'ai besoin de mettre accent sur l'IA, c'est déclaration James Solage avec Joseph Vincent Affaire. Donc, son bar à Cap Marine là depuis quelques plusieurs mois. Hein? Oui. Mais, par contre, si la police pas gagné ça, oui. Parce bon, que. Si pas de gain, de point de presse en point de presse, et. Bon, qu'est-ce que bagage qui vraiment mérite dit parce que journaliste là n'est pas posé question pour l'enquiquiner autorité non parfois gon bagage qui juste chapeau et puis ou poser question parce que job ba journaliste et relance tout bas là ou du bail même gon bagage ou faut avancer sous lui permettre ou bail des détails parfois il doit faire erreur. Et le journaliste attire attention sur lui et puis ou corriger rapidement ça fait que ou corriger parce que sous dit c'est trois monde qui mourit après ou sur internet ou dit c'est quatre ou dit mais combien monde va chercher ou changer mais monde qui t'attend des premiers chiffres ou bail pas forcément et yo même et connaît et correction que vous faites là parce que là il tout média dans mon imaginez qui écoute lui et puis là il font rectification sur les réseaux sociaux c'est pas même bah là forcément et puis et donc vraiment et pour finir parce que nous autorité pas tellement bah identité mon yo je cherche voilà et nous même ça nous arrivons joindre et pour l'instant et c'est des noms et bon des monde qui t'a et fait partie de commando Armia Alejandro Girard Zapata colombien 1er avril 1980 c'est date de naissance li John Hayen Ramirez Gomez 17 mai 1981 toujours colombien Victor Albeiro Pinera Cardona donné le 2 juillet 1981 colombien toujours Manuel Antonio Grosso Guarin ou Maurice Grosso Guarin. Il fait 19 avril 1981 et puis deux messieurs Sao que nous sommes parlés et américains d'origine haïtienne, Joseph Vincent, il est né le 28 septembre 1965 et James Solage le 19 août 1985. Nous sommes sur les réseaux sociaux des déclarations, James Solage et t'es qu'on a fait quelque chose des monde qui a participé dans le bail social hier et m'a regardé ça voilà et on dit sous James non non et on met fini sous James Solage là nous t'ai annoncé le début d'un concert et édition ça donc Universal Motors qui t'a réagi puisque t'as associé monsieur avec entreprise et gagne nous pas dormir tout qui soutient notre nous pour parler de ça il a dénoncé en campagne de désinformation qui a circulé sur internet là qui fait quoi que et membre nous pas dormir Pascal Solage et ses familles James Solage nous pas dormir démenti ou même ça et les profiter fait tout le monde connaît féministe activiste Petro Challenger Pascal Solage pas gain aucun lien parenté et ni de près ni de loin avec James Solage que la police a été dans le cas d'assassinat à Jovenel Moïse et nous pas dormi a invité tout le monde fait message ça passer pour croiper l'humain qui gagne un objectif selon un succès ça pour mettre en danger la vie et Pascal Solage lui-même j'en dis qui c'est un Petro Challenger après plus que deux ans campagne Jovenel Moïse vient président pays d'Haïti il est installé jouté 7 février 2017. Depuis la discours installation, le président de Boumet qui va le travail du peuple. Mission PAM, c'est créer conditions pour chaque haïtien vivre bien. Mission PAM, c'est craser toute barrière qui gagne entre mon en dehors et mon la ville. Mon riche et mon pauvre. Mon noir et mon rouge, mon en haut et mon en bas. Haïtien qui vivent dans le pays et Haïtien qui vivent dans la diaspora. Nous tous, c'est Haïtien. Nous prenons le bâti de seul Haïti pour tout Haïtien. Yon Haïti, côté discrimination, pas doit empêcher réussite économique et sociale personne. Yon Haïti,
côté moun pa lité contre pauvreté seulement. Gen Haïti côté tout moun ka joine la vie meilleur. Moi prend engagement jodi pour me travailler pour nous réparer Haïti dignité. Moi prend engagement pour me travailler pour jeune femme et jeune garçon en vivre dans le pays. Moi prend le travail pour permettre moun dans diaspora qui veut retourner la caillou. Pour yon ka fè ça sans qu'elle saute. Pour diaspora vin fè business, créer job, participer tout bon vrai dans le développement pays. Yo. Premier menan même année, président lancé caravane changement. C'était dans la section Lagrange, dans la commune Saint-Marc, dans le département de la Tibonite. Après ça, caravane changement vin gagne dans tout pays. Ya. Chaque équipement qui est là, c'est pour nous remettre et protéger parce que c'est l'argent. C'est nous qui achetons. C'est l'argent taxe nous, c'est l'argent pour nous qui achetons l'équipement. Moi, je viens pour mettre l'État au service du peuple. Pour mettre l'État au service de la nation. Pour faire, je ne vais pas faire ça. Même j'aime dans des gens dans le nord, gens dans le nord-est, gens dans le nord-ouest, pour me sortir, il y a pas de jalousie. Pour avoir un nom de travail dans la Tibonite, même dans le Grand Sud. Mais nous-mêmes, on ne pas oublier, Jean, sénateur Sylvain Sotil, leur planton maï, ce n'est pas même joie qui fait maï. Leur planton maï, qui prend tant en vongé maï. Même Jean, leur planton banane, on prend presque un an en vongé manger banane. Ça veut dire, ma petite non. Ma petite moun nan, non, kap gade, kap tendem là. Moun nan nord-ouest, moun nan nord-est, moun nan centre, moun nan sud-est, moun nan l'ouest. Ça va nan privé. Nan ta passé yo, c'est une entreprise privée qui te kon fè travail sa yo dans l'État. Pour aller plus vite, le président a décidé by ministère travaux publics, équipement lourd dans chaque direction départementale pour te faire route dans tout pays. Le président a décidé by toute mairie dans pays a moyen pour faire travail. Tant coup compressif pour ramasser Fatra dans toute commune. Port-au-Prince va recevoir deux compressifs. Ça nous connaît dans le gros langage créole, la camion Fatra. Deux camions bascules ont l'odeur pour changer Figui, ville Port-au-Prince. Mairie Bétionville va recevoir un compressif. Mairie Tabac va recevoir un compressif. Mais ça, c'est au bout qu'on est pour le temps de bouillir. Parce que d'ici début mois de mai, habillé, équipement recommandé depuis le mois de septembre. Mais au bon temps pour construire. Nous avons 50 compressifs qui ont entré dans le pays. Ça veut dire que toute commune dans le pays d'Haïti, parler de gros communes, côté qui fait un pile facra, tout parle de possibilité pour un équipement. Même si ça arrive fait dans le cap haïtien, il va le faire pour Ville-Ocaille, Ville-Hinche, Ville-Ibale, Gonaïve, Saint-Marc, tout gros villes, Niragouane, Tigouave, Léogane. Dans un voyage qui était fait dans la ville de New York, le président fait déclaration ça sous corruption qui vient dans le pays. Depuis là, le problème a commencé à Haïti. Parce que les gros attaques de corruption, il y a un secteur qui est fâché. Et nous avons un gros problème dans le pays. Pour nous comprendre qu'il y a un gros problème dans le pays, je veux dire, comment mon pays pour gagner un groupe de monde qui décide de dire que l'État a tout coproduit presque 40 à 50% de comme ça pour me dire plus que 50% c'est pour moi lié. Ça veut dire qu'il y a des contrats passés, il y a des gens là qui ont des garanties. Donc ça veut dire, je vais m'expliquer non bien pour nous comprendre. Ça veut dire, vous faites un contrat et puis vous avez une lettre de crédit pour 15 ans. Ça veut dire, une lettre de crédit irrévocable. 15 ans, ça veut dire qu'il y a 15 ans chaque mois depuis le gouverneur, depuis un mois, arrivé au papé. Depuis un mois, l'État va payer, ils sont entendus à la Banque centrale payer. Mon groupe dans le pays en Haïti, c'est comme ça. Et nous, qui monte en comme ça, environ 10 millions de dollars chaque mois. Jodi, il faut nous parler pour nous commencer à comprendre qui est-ce qui est diminué.
si moi même quand je sorti c'est moi je dis à Caleb Mildou hein qu'a fait tout effort ça et puis je dis à moi Caleb Mildou c'est parce que me vienne mettre bagage ça yo en question aujourd'hui des bois goumer pour peuple faut que vous voyez exemple si ça dit gouvernement démonter gaz là et pour des jeunes plus moyens et pour sa population on pose peut-être une question qui monde qui utilise des Elvis problème de vin pig gouvernement tombé le ministre allé problème pays là budget va ca voter tout bagage bloqué dans pas craser briser pas si mal mais président Jovenel Moïse pas décourager à mission qui fait bataille contre corruption devine font déclaration par population dans jour 15 octobre 2019 c'est même déclaration ça qui t'a pas juger peuple comme président pays là on pas la protagoniser vous parlez de groupe comme président pays là moi pas là pour me dire que même monde qui fait mal mais ça qui fait bien mais peuple là suivez mon regard m'a comprendre de qui est m'a parlé peuple là gardez-moi droit dans les yeux pour comprendre que je dis là le monde lui demander pour un contrat fait. Là, regardez. Pour l'État, paye 10 milliards de dollars pour 10 ans. Suivez mon regard, peuple. Peuple, là, nous faisons un contrat pour gérer la centrale électrique EDH. L'État va un contrat 891 000 dollars par mois. Je signe pendant 10 ans. Et on fait 10 ans pour toucher. Là, on parle de nouvelles, là, on coupe. Suivez mon regard. Depuis la population a commencé à suivre le président. Il commence à mettre fin à quelques contrats, arrestation, mon cap 20 ans, mandat contre les autobus courants, déplacement génératrice pour bailler la service, invitation pour les amis. Janvier 2020, le président a constaté que le Parlement dysfonctionne. Haïtienne, haïtien frère. Je dis à ces 13 janvier 2020. Ça veut dire qu'il y a que ça. On a peut-être clair comme ça. On était supposé dans le Parlement pour une étape, pour un discours sur l'état de la nation. Mais j'en ai toutes. Nous avons constaté que aujourd'hui, mandat 50e législature est fini, mais nous pas arrivé à faire élection qui pour te faire 51e législature te commencé aujourd'hui. Eh bien, l'idée qui reste là, c'est pour le peuple. Nous prenons comme parlementaire pour le bâtir lycée pour le petit peuple. Eh bien, comme nous avons décidé de dialoguer avec le président, le président lance un dialogue avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui est balbou. Bonjour, tant qu'aujourd'hui, il est arrivé pour me deviner malade. Non. Parce que quand pile là nous nous détendons, le bagage est là, grave, petit président. Pas là avec nous, non. Mais j'aime te dire, non, il y a un bagage, mon président va être droit. Il y a un bagage, mon président va être droit. Mais depuis 15 octobre pour les jodia pour me en pile bagaille déjà et grand pile bagaille nous est passé grand pile chers amis dit nous tu restes là c'est bon nous et l'âme dit tu restes là c'est pour nous grand pile coup de poing là pour voyer grand pile bataille qu'il a pour faire. Et si c'est pour nous, ma frère, parce que c'est nous qui votons. Après bon Dieu dans le ciel, là, c'est nous, boss, moi. Rien. Eh bien, je dis à qui ça crie. Toute raquette, tout contrebandier, tout corrupteur, il y en a pour population a retrouvé confiance dans le président. Et à camper bon côté pour changer le système baiser sous ça. Depuis le président dit tirer ça c'est pour peuple là. Jeune yo ka prêter comme dans l'eau pour faire business dans quatre programmes papage là.
Dans zone côté me sorti a Belade. Grand monde toujours apprendre moi. En rien pas ta. Li pas jamais trop tard pour faire yon bon bagay. Nous tap tann. Nous tap souffri. Nous tap souffri depuis plus passé yon l'année. Mais nous pas découragés. D'ailleurs, entrepreneur pas jamais découragé. Malgré quelquefois nous t'avons douté, mais nous t'avons toujours gardé l'espoir. Nous connaissons la situation du pays, nous pas facile. Nous connaissons chaque bagage, c'est une priorité. C'est pour ça que nous pas découragé. Nous t'avons toujours connu le président nous. Entrepreneur qui est descend. Il n'est pas tant qu'à abandonner. Je dis à vérité sous tambour. Rêve nous pour le réaliser. Business nous pour le lancer grâce à Papège. Merci président. Merci parce que vous montrez un péché au lieu de kembe poisson banou. Merci parce que jeunesse là pour vous et ses priorités. Femme yo ka prêté comme on a femme ouvert business. Non, mon na saline. Ma remercier président pour suivi yo ka fait après dialogue communauté qui te fait dans palais national là. Kounia, c'est plus passé 2000 personnes qui pourraient joindre moyen dégager yo. Ça fait nous content en pile parce que après du fait dans marché yo à problème yo chaque ça permettre l'espoir rebourgeonner encore. Moi-même c'est une cultivatrice, yo marchand de banane. C'est on a femme pour moi aujourd'hui, c'est un gros bagage, une grosse victoire. Côté nous-mêmes, nous qu'on a prend pour y pour faire commerce. Et puis journée aujourd'hui, nous jouons au prêt à 1% pour aider nous. Moi sorti dans commune Cité Soleil, zone du Vivier. Même j'ai un collègue pour faire encore. L'homme prend décision pour me dire faut tête cana monter table. Même gens dans micro ça que m'a parlé sur tribune président. De mesdames et messieurs, parler. Nous-mêmes qui ont été considérés comme des mouns qui pas de mouns, je dis avant de commencer à faire des voix. Il faut une possibilité de créer pour nous-mêmes, pour disparité, pour exclusion, ça, que le pays a chuté à Zouli, pour ça suspendre. Pour l'homme qui réussit dans le pays, pour c'est un accident de l'histoire pour eux. Il faut tout le monde qui a réussite, le fait pour tout le monde. Qu'on a construit une société inclusive. Inclusive, ça veut dire pour tout le monde qui a même chance là-dedans. Ce n'est pas possible. Même j'aime prendre décision. Directeur Lona Sotil, 14 août 2017, on a fait lancer dans le Cap-Haïtien. 14 août 2019, fait 2 ans. Audience, nous 28 janvier 2020, ça veut dire nous avons 2 ans et demi. Depuis nous avons bataille pour que mesdames, nous avons joué un crédit, nous avons joué 20 000 crédits chaque année. Et pourtant, dans 2 ans et demi, c'est 12 000 seulement. C'est pour nous poser des questions. Pour qui? Volonté à la, vision à la. Et pourtant, le système pèse sur ceux qui décident de nous-mêmes. Crédit pas fait pour nous. Finalement, peuple haïtien, qui sont pensés d'action président de la République? Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer cette cloche là.
les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.